Rachid Annoir Ils sont partis. Je crois qu'ils ont commencé à comprendre. Incroyable. Asiya. Réveillez-vous. J'ai donné du lait à Zulaika. Plein d'alcool. Et tu t'es évanoui. Ce qui s'est passé. Pourquoi tu ne frissonnes pas aujourd'hui? Réveillez-vous. S'il te plaît. Asiya. Bonjour Asiyaï. Bachir. Annoir. Les gens de la cour. Réveillez-vous. Loyal. Mère. Viens vite. Belle-sœur Sakina. Loyale. Jaanzeb. Ce qui s'est passé? Pourquoi ce bruit? Elle s'est enfuie. OMS. Asiya s'est enfuie. Comment est-ce possible? Des chaînes étaient à ses pieds. Shazaib. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. J'arrive. Je dis, je viens. Oh mon GPD, mon Dieu. Ils ment. Les voleurs sont là. Tante. C'est moi Shazaib. Shazaib. Mon fils. Tu viens de me faire peur. Iklak n'est pas chez lui. Je connais ma tante. Je lui ai parlé, il viendra demain. Voir. Nous devons passer une nuit ici. C'est bon. Fils. Mais qui est-elle ? Asiya. OMS les a aidés tous les deux à s'échapper. Il raconte lui-même. Si je l'apprends par quelqu'un d'autre, je vais battre avec des chaussures. De ma chambre. Qui a volé les clés? Parlez. Pourquoi tu ne parles pas? Moi. De quoi parles-tu? J'ai aidé Asiya et Shazaib à s'enfuir. D'abord, j'ai parlé à Shazaib. Shazaib. Sœur, ils font de la brutalité avec Asiya. S'il te plaît, sors-moi d'ici. Que ferez-vous après être sorti? Asiya et moi allons nous enfuir. Non, mon frère. N'y pense même pas. Vous savez, quel est le résultat de la fuite de cette cour? Maman te pardonnera parce que tu es un fils. Mais pense. Pensez à l'oppression à laquelle Asiya sera confrontée. Une fois que je serai échappé d'ici, nous irons si loin, ils ne nous trouveront pas. Je pensais la même chose. Exactement le même. Que je suis loin de cette cour. Personne ne peut me trouver. Mais non. Ils y sont arrivés aussi. Ceux qui ont de l'argent. Cet endroit ne leur suffit pas. Très petit endroit. Leur faim n'est pas satisfaite après avoir occupé la terre d'autrui. Alors, ils y sont arrivés. L'oppresseur opprime toujours. Mais quand les opprimés pensent que l'oppresseur est courageux. Le pays de Dieu est très vaste. Tout n'est pas leur. À un moment donné, ils seront impuissants. J'emmènerai Asiya avec moi. Mais d'abord, sors-moi d'ici. Je promets que je protégerai Asiya. Sois patient. Avoir de la patience. Je fais quelque chose. Sois juste patient. Puis j'ai volé les clés de ta chambre. et j'ai ajouté les somnifères à la nourriture des gardes. Qui se tient devant la chambre d'Asiya? Madame, tu viens de me faire peur. Pour qui prenez-vous cette nourriture? Pour les gardes de la chambre d'Asiya. Je prends cette nourriture. D'accord. Chido. Avant d'y aller, peux-tu faire ma seule tâche? Bien sûr, madame. Dans la cour pour... J'ai lavé et accroché mes vêtements sur le stand. Se sécher. S'ils sont séchés, pouvez-vous me le donner s'il vous plaît? Votre commande, madame. Après plusieurs années. Après de nombreuses années, tu as utilisé le droit d'être mère. Après de nombreuses années, j'ai réalisé. Quel est le pouvoir dans la main de la mère? Ça a été très amusant. Très amusant. Regarde à l'intérieur. Je le verrai. Où sont Asiya et Shazaib? Que veux-tu dire? Ne sois pas si innocent. Où ils sont, vous le savez déjà. Dieu promis, je ne comprends pas ce que tu dis. Si tu ne sais pas, alors écoute. Ta sœur s'est enfuie avec son amant. Je le jure devant Dieu, Monsieur Mubashir. Jusqu'à ce que je les trouve. Je ne mangerai ni ne boirai. J'ai compris. Ils ne sont pas loin du village. Je sais ça. Si tu les trouves, suggère-leur de s'enfuir. S'ils courent, ils seront sauvés. Allons-y. L'appel de papa. Salutations, sœur. Salutations, Ashraf. Nous sommes dans la voiture. Nous arriverons dans 2 heures. Sœur. C'est une bonne nouvelle, Ashraf. Où est Jaanzeb, sœur? Est-il heureux? Jaanzeb. Oui, Ashraf. Il est content. Ce qu'il fait. Il est sorti. Se couper les cheveux chez un coiffeur. Ok. D'accord, sœur. Nous nous rencontrerons. Au revoir. Au revoir, Ashraf. Merci. Tu ne l'as pas dit à Ashraf. Il s'agit de l'honneur de notre palais. Comment pourrais-je le savoir? S'il te plaît, pardonne. En ton absence. J'ai dérangé ma tante. Vous êtes mon ami. Pourquoi dis-tu cela? Vous devez faire un travail supplémentaire. La vie est aussi là pour vous. Dire ce que je dois faire. Prends Asiya et moi. Mariés aujourd'hui. Si nous nous marions, nous n'aurons peur de rien. Faisons quelque chose. Prends ton thé. Oui, mère. Tu le trouves? Ashraf arrive. Si tu veux garder l'honneur. Avant son arrivée dans la cour, Shazaib devrait être là. Si cela n'arrive pas, alors la prochaine fois, ne mets pas de turban sur ta tête. En fait, tu le tiendras dans ta main. Ok, maman. Excusez-moi. S'asseoir dans la voiture. Puis-je dire quelque chose? Parlez. Tu devrais être content de ça. Tu t'es débarrassé d'Asiya. Devrais-je aussi être heureux pour Shazaib? Parler. C'était le fiancé de ma sœur. Tu parles sans réfléchir. Mais madame. Arrête. Si tu veux bien parler à nouveau. Je vais te casser la tête. Dois-je appuyer sur ta tête? Presse mon cou. Viens, presse mon cou. Ma main serait cassée, si j'y pense. Ok, fais-le. Madame. L'avez-vous dit à madame Zubaida? Comment dois-je lui dire? Je n'ai pas assez d'endurance. Je suis extrêmement inquiet. Quand elle saura ça, comment va-t-elle se sentir? Ma sœur était très heureuse. Sa date de mariage était sur le point d'être fixée. Madame et monsieur les recherchent. Ils les trouveront si Dieu les aide. Ils trouveront le cadavre d'Asiya. Madame trouvera Shazaib, monsieur, à tout prix. S'il ne pouvait pas être trouvé. Pense bien, tout ira bien. Comment puis-je penser positif? Le père arrive. Il a informé tous les proches. Dans la cour de tante Jana. Un sketch va avoir lieu. Père sera en colère. Je ne lui ai rien dit et je savais tout. Mon Dieu. Dis-lui maintenant. Comment devrais-je? Tante serait en colère. Peut-être que ton nom n'apparaîtra pas devant. De telles choses ne restent jamais cachées. Tout peut arriver. Salutations, père. Papa. Je veux discuter de quelque chose d'important. Mais papa, ne prends pas mon nom. Jaan est-il de retour avec Shazaib? Non, madame. Mais monsieur Ashraf est arrivé. Ashraf est-il arrivé? Et Shazaib n'est pas encore venu. Notre honneur est en danger. Shazaib n'a pas fait le bien. Pas bon. Que vois-tu? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Ils se rencontraient tous les deux. J'ai fait une erreur, madame. Pardonne-moi. Je ne me pardonnerai pas. Quel espoir imagines-tu? Allez. Donnez-leur des sièges. Servez-leur du thé. Dis-leur que madame arrive. Ok, madame. Shazaib n'a pas fait le bien. Madame. Salutations, sœur. Salutations, Ashraf. Comment était votre voyage? Oui, sœur. Nous étions heureux quand nous avons quitté la maison. Alors? Et alors? J'ai vu une dispute sur le chemin. Cela m'a rendu triste. Quel différend, Ashraf? Je ne sais pas. C'était une dispute entre deux familles. Une famille est allée dans une autre maison et a accepté la proposition. Une fois arrivé sur place, il l'a découvert. Pour le garçon, la proposition qu'ils ont faite pour la fille. Il s'est enfui avec une autre fille. Alors, l'honneur est cher à tout le monde. Côté fille, découvre le garçon. Et je l'ai battu, devant des gens. Sœur, où est Shazaib? Sœur, je te demande quelque chose. Je ne vois pas Shazaib, où est-il? Je te l'ai dit. Il est sorti avec ses amis. Shedo. Oui, madame. Allez préparer la nourriture pour les invités. Bien sûr, madame. Sœur, aujourd'hui, pourquoi tes mains tremblent? Non. Non. Le prénom de la fille? Asiya. Asiya. Et le nom du garçon? Shazaib. Le nom du père? Mohamed Baksh. Mohamed Baksh? Est-ce la sœur de Mubashir? Oui, elle est. Aucun problème. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Où allez-vous, monsieur? Monsieur? C'est immoral. Elle est déjà mariée. Avec ton frère. Aîné Jaanzeb. Mariage après mariage ne peut avoir lieu. C'était un mariage forcé. Je ne sais pas ça. Je sais seulement. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Pardonnez-moi, monsieur. Pardonne-moi. Au revoir. Au revoir. Monsieur, écoutez. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez. Je le sais déjà. Mais je ne peux pas revenir en arrière. J'ai informé tous les proches. Sœur, et tu étais le mien. Tu devrais me dire. Comment je dirais? Mon propre fils m'a trompé et s'est enfui. Maintenant dis-moi. Que dois-je leur dire? Ni ton ni mon honneur ne sont plus protégés. Allons-y, fils. Attendez. Je vous en supplie. Ne pars pas comme ça. Shazaib se a de retour. Jana est allée le reprendre. Shazaib se a marié à Zubaida. S'il te plaît. Attendre un moment. Juste. Nous ne partirons pas en silence tante. Après tout, c'est la question de l'honneur de ma sœur. Sœur, laisse-moi te dire une chose. Si tu ne trouves pas ton fils, je le trouverai moi-même. Et je lui tirerai dessus. Avec mes mains, sous tes yeux. Shazaib, monsieur. J'ai vraiment peur. Ils seront là dans quelque temps. Ils nous tueront tous les deux, monsieur Shazaib. J'ai vraiment peur. Ne t'inquiète pas, Asiya. Ils ne pourront jamais penser à cet endroit. Monsieur, ils me semblent tous en colère. Leurs intentions ne semblaient pas bonnes. OMS? De quoi tu parles? Le vieil homme et son équipe. J'ai peur qu'ils disent à Jaanzeb, monsieur. S'il te plaît, quitte cet endroit. Prendre l'avant-dernier virage du village. Je vais organiser une voiture et j'y arriverai. S'il vous plaît, accédez Y. Devrions-nous y aller? Ce qui s'est passé. Il n'est pas là. Le trouver. S'il te plaît, trouve-le. Maintenant, dis à ma sœur. Quelle est votre décision maintenant? Établissez votre terrain. Dis ta décision. Ton honneur est parti. Maintenant, quel est ce retard? Nous devons partir. Ils seront là dans quelque temps. Dis à Ashraf. Que veux-tu? Tout votre propriété. Arrête la voiture. Assieds-toi vite, monsieur. Shazaib. S'asseoir. Assis dans la voiture, Asiya. Shazaib, monsieur. Shazaib, monsieur. Shazaib. Shazaib, monsieur. Shazaib, monsieur. Shazaib, monsieur. Shazaib, monsieur. Shazaib, monsieur. Shazaib, monsieur. Nous devons aller à l'hôpital. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Shazaib, monsieur. Shazaib, monsieur. Shazaib monsieur. Shazaib monsieur. Shazaib monsieur. S'il vous plaît, sauvez mon Shazaib monsieur. Shazaib monsieur. Shazaib monsieur. Réveillez-vous. Voir qui est là. Ne le quitte pas. Tu n'as pas trouvé Shazaib? Frère Ashraf a attendu puis est parti très en colère. Nous sommes insultés par des proches. Je vais le convaincre, à tout prix. Où est Shazaib? Tu ne l'as pas repris. Shazaib. Jaanzeb. Ce qui s'est passé. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi pleures-tu? Mère. Oui. Zebi est assassiné. C'est quoi ces conneries? Tu mens. Comment peux-tu dire ça à propos de ton frère? Où est Shazaib? Dites-moi. Je dis la vérité. J'ai raison. J'ai appris qu'ils allaient en ville. Nous sommes allés avant lui. Nous avons trouvé le cadavre de Shazaib sur le chemin. Shazaib m'a laissé tranquille, comme mon frère aîné. Shazaib. 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 Asiya. Asiya. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne pouvais rien faire pour toi. Le conseil m'a lié les mains. H. J'aimerais vendre ce terrain. Je t'aurais sauvé aujourd'hui. Je sauverai ma mère. Ma fille. Je sauverai ma femme.